Donc, ouais, ce que je disais, c'est que je vais peut-être faire des sessions de 2 heures, soit de 16 à 18, soit de 17 à... de 17 à 19, ou de 18 à 20, en fonction des trucs. Et peut-être plus streamer plus souvent dans la semaine, jouer moins longtemps, genre 2 heures, mais faire des sessions plus régulières. Ce câble, et c'est un enfer. Ce câble, c'est un enfer. J'ai croisé pattes. J'ai croisé pattes. Je vois pas qui c'est pattes. Ah, attendez. Le Elgato 2. Vous entendez là le son, il arrive à vos oreilles ou pas? Est-ce que vous entendez la musique? Ah, d'accord. Dites-moi si vous entendez la musique. Ok, vous entendez donc la musique très bien. Ok, c'est bizarre, elle marche pas sur audio. Ah oui, mais non, mais c'est logique, c'est logique. Malheureusement, je pourrais pas l'augmenter. Je pourrais pas l'augmenter plus. Parce que si je l'augmente plus, je perds mon audition. Parce que moi, je suis connecté directement sur mon écran. Malheureusement, j'arrive pas à régler le problème de délai entre quand je stream et que j'ai le retour sur le stream. J'arrive pas à régler le délai. Ok. La dernière fois, on s'en était arrêté au bastion de la table ronde. Donc on s'était retrouvé téléporté ici. On avait notre servante dont j'ai oublié le nom. Elle s'appelle... J'ai oublié son nom. Maria. Et on avait rencontré ces braves hommes. Enfin, on avait discuté avec lui, donc un astrologue, qui nous proposait d'acheter des sorts. Mélina! Une incantation. Donc on a des sorts de feu, boules de feu, l'embrasement et tout ça. Le soin du poison, c'est très très bien, ça va nous servir. On n'a pas assez d'âmes. On ira un peu farmer. Et récupérer un sort. Il nous faut intelligence 0 x 10, ésotérisme 0. Monter en foi, c'est pas... c'est en vrai une boule de feu, c'est pas mal quand même. Je suis même pas allé jusqu'ici, ouais. Bah, du coup, ça va te spoiler, hein. Si, il faut de la foi, là. Regarde, c'est marqué en bas, attribut requis. Et du coup, on m'a expliqué comment mettre des raccourcis. Donc, je l'ai fait la dernière fois, j'ai sauvegardé. Donc maintenant j'ai mon raccourci, j'ai mon anneau pour invoquer Torrent dans mes raccourcis. Et en fait c'était tout bête, parce que dès que j'appuie sur Start, tout de suite mon regard va sur la gauche. Et en fait je voyais le menu et je voyais pas le menu sur la droite. Donc là, bon je suis en train de vous montrer du doigt le menu, mais voilà, vous voyez pas. Mais sur l'écran, on peut aller sur la droite, il y a un menu derrière ma tête. Voilà. Et avec les émotes, et je ne l'avais pas vu, ça ne m'a pas sauté aux yeux, j'ai tellement pas l'habitude d'avoir un menu à droite que... sur les Souls que je l'avais pas vu. Donc ici on peut mettre des raccourcis derrière. Et j'ai mis donc l'anneau d'incantation de torrent pour ici. Donc voilà, pour les gens qui suivent ensuite le stream et qui ne savent pas, vous pouvez mettre ça là. Je l'ai appris, c'est un pote qui me l'a dit. Voilà. Et là maintenant on va discuter avec tout le monde qui est ici. On n'a pas, je vous rappelle, on est dans le bastion de la table ronde. On a eu un message qui nous disait n'attaquez pas, c'est un endroit de paix, un havre de paix, machin et tout ça. Personne n'a le droit d'attaquer. Évidemment, on est dans un From Software. On peut attaquer. Il y a des conséquences. Il y a sûrement des conséquences. Mais pour l'instant, c'est pas le. Bravo, ça vaut la peine de porter des lunettes pour rien voir. Ah ouais, mais je suis vieux. Je vois juste d'un œil, l'œil gauche, de ce côté-là. C'est pour ça que je tourne que d'un côté. Attaque! Non! J'attaque pas! Oh, voilà qui est fort rare. Quand avons-nous reçu pour la dernière fois une nouvelle sans éclat autour de la table ronde? En vertu de mon ancienneté, je vous souhaite la bienvenue. Ce lieu est sûr
Vous ne craignez rien ici. On reparle. Permettez-moi ce conseil en tant qu'aîné. Faites que de passage à table ronde. Rien de plus. Une simple invitée encore bien loin d'avoir fait ses preuves. N'oubliez pas votre place, novice. Il n'y a rien de plus à dire. Vous pouvez vaquer à vos occupations. Ok. Il a fini de me dire tout ce qu'il avait à me dire. Le seul lieu sûr, ouais. Lieu sûr, c'est un From Software, hein, entre guillemets. Hein. C'est un lieu sûr qui n'en est pas forcément. Oh, bonjour. Ah, bonjour. Vous venez d'arriver, je suppose. Eh bien, appelez-moi Dialos. L'honneur d'une maison n'a que peu d'importance sur ces terres. Au fait, auriez-vous croisé une jeune femme répondant au nom de Lania au cours de votre périple? Il s'agit de ma servante, mais elle est très volage. Quittez-la des yeux ne serait-ce qu'un instant et la voilà disparue. Si vous la trouvez, veuillez m'en informer. Ok, très volage. Mec, volage, ça veut dire... ça veut pas dire qu'elle vole. Hein. Si vous croisez une jeune femme nommée Lania, surtout dites-le-moi, elle sert ma maison. Elle m'accompagne depuis ma tendre enfance. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai dû partir à sa recherche de la sorte. Honnêtement, c'est un vrai garçon manqué. Surtout dites-le-moi. Elle m'accompagne depuis ma tendre enfance. C'est un vrai marqué. Ok, très bien. Ok, lui, il tourne en boucle. Alors, on vient d'arriver, on est arrivé par là-bas. On a croisé ce personnage-là. Allons fouiller un peu cet endroit. Je suis très content de découvrir... Oh! Bah donc du coup c'est le hub central, hein, le bastion. Hein. On a un André the Giant qui est en train de forger. André the Giant, hein, c'est une référence aux autres... Oh! Il y a quelqu'un qui dort. Enfin, par contre moi c'est très sombre. Hein. Utilisez la coiffeuse. Ah, on peut modifier l'apparence. D'accord. Ok. Très bien, très bien. On va pas faire ça, on s'en fout. On est très bien comme on est. Salutations, illustre championne de la grâce. Je me nomme Fia. Les circonstances m'ont poussé à rester au bastion de la table ronde. Illustre championne, me permettriez-vous de vous tenir dans mes bras l'espace d'un instant? Peut-être accepteriez-vous de partager avec moi une partie de votre vitalité et de votre bravoure? Ce faisant, j'acquérais la chaleur des champions. Et vous, j'en suis sûr, jouiriez de la bénédiction du baldaquin. Vous trouverez cela vulgaire, peut-être? D'où je viens, il s'agit d'un acte sacré. Moi, je suis partant pour tout tester. Je suis vraiment... c'est vraiment la run, je suis open. Je suis full open, let's go, quoi. C'est un peu tôt quand même pour une telle demande. Écoute, Vinny. Voilà, dans la vie, des fois, il faut se lâcher. Je vais me faire étreindre. Ah, je vous remercie, illustre championne. Bah en fait c'est juste un câlin en fait. Ça se trouve je vais mourir. Elle va me virer toute ma... Oh c'est mignon. Vous êtes si chaude. Bénédiction du baldaquin. Ok. Cette chaleur en vous. Il s'agissait de la bénédiction du baldaquin. Je crains cependant que cette sensation ne soit qu'éphémère. Revenez me voir si vous souhaitez vivre cela à nouveau. Vous étreindrez aussi souvent qu'il le faudra. Ok. Très bien. On a reçu une bénédiction. Décidément, j'ai commandé un câble. Il est vraiment encore trop court. L'autre, ça aurait été pire. J'aurais été collé à l'écran. Ok, très bien. On a reçu une bénédiction. Équilibré, caractéristiques, charge équipée, découverte... Changer d'affichage. Type B, jeune samouraï, clé lame de pierre.
Vigueur, esprit, endurance, force, charge équipée. Je vois pas où sont les bénédictions. Je suis ravi de vous revoir. Et Hugs, désirez-vous m'étreindre une fois de plus? Je sens que la bénédiction est toujours présente à votre sein, très cher. Désirez-vous tout de même que je vous étreigne? Je voulais que tu m'en dises plus. Hop. Je vais surtout désactiver la vibration de mon téléphone. Ah. Bah je refuse. En ce cas, je vous souhaite une bonne journée. Okay. Tu veux pas m'en dire plus sur l'étreinte du baldaquin? Je sais pas ce que ça fait du coup. Bénédiction du baldaquin. À mon avis, dès qu'on sort du bastion. Hey! Salut gros! Je ne vous connais pas, vous. Peu importe, ça ne change rien. Faites-moi vos âmes. On puisse s'y mettre. Excusez-moi, j'ai du mal à articuler aujourd'hui. Ok, donc lui c'est un forgeron direct, il peut renforcer les armes. Yug, maître forgeron. On peut dupliquer des cendres de guerre, on peut les vendre. Moi je veux parler à Yug. Il semblerait que vous ayez remarqué mes chaînes. Il n'y a pas grand chose à en dire. Je suis prisonnier, ce sont mes fers. Je suis piégé dans ce bastion, condamné pour l'éternité à offrir mes services à des gens comme vous. Voilà tout. Vous êtes prisonnier? Non, n'allez pas vous méprendre. Je ne vous reproche rien. Si je suis prisonnier, ce n'est pas de votre faute. Et puis, ça ne me dérange pas de forger. Malgré mes particularités, je suis parfaitement capable de renforcer des armes. La technique ne m'a jamais fait défaut. De plus, cela m'aide à oublier la terreur qu'elle m'inspire. J'ai une pierre de forge, mais je peux pas renforcer mon Uchigatana. Je peux voir les cendres de guerre. Piétinement orageux. Ça fait quoi déjà, piétinement orageux? Qualité octroyée, Uchigatana de qualité. Aucune, point PC 6. Puissance d'attaque. Ok. 99 plus 26. 115 plus... 19. Je comprends pas. Attends. Tranchant perçant. Attendez, deux secondes. Je vais juste voir ce que ça fait. On peut dupliquer des cendres de guerre. Ok. J'ai la méduse aussi. Invoque une méduse spirituelle, mais j'ai pas un PC 31. Je dois pas avoir assez de PC. PC, on rappelle point de compétence. Point de mana, point de... Cendre de guerre, frappe déchaînée. Utilisable sur les haches et les marteaux, ainsi que sur les épées et espadons courbés. Voilà. Cendre de guerre, piétinement orageux. Utilisable sur toutes les armes de corps à corps. Octroie des affinités et des compétences à une arme. Ok, je sais pas ce que ça fait. De toute façon, on est là pour tester. Ah, il a... Ah bah on va le mettre ça. On va mettre ça sur le katana. Allez. Cendre de guerre. Voilà. Piétinement orageux. Qualité. Ça a baissé ma force physique.
Ça a baissé ma puissance d'attaque. Force, attribut recul, force 11-11, dextérité 15-15. Et j'ai un plus 26 en... Effet passif, accumule du saignement, ok. Bon, on va voir. Je vais pas dégainer ici parce que je vais me faire bolosser. Je vais aller voir ici. Bonjour. Excusez-moi, je suis nouveau dans le coin. Est-ce que quelqu'un peut me faire visiter? Non. Et... Putain, bah merci pour l'accueil. Bonjour. Oh, du pinard, parfait. Je me méfie, hein. Ok, il y a un brouillard de guerre là-bas. Ouh, oui. On va pas y aller dessus. Allons voir au fond. Cassons des trucs. Je suis tellement content de jouer Elden Ring. Ah, regardez-moi ça. Ah, on peut pas utiliser... Ah non, par contre, on peut pas vraiment pas utiliser les armes ici. Mince. Ah, j'aurais pensé qu'ils avaient mis un secret. Je peux pas monter? On peut vraiment pas dégainer. Je peux vraiment pas frapper. Donc... Ah si. Ah non, je peux pas frapper. Mon arme est rengainée, mais je peux rien faire. Pas y aller. Ah si, il y a. Utiliser clé lame de pierre. Oui. C'est ce que j'ai récupéré au début. Et ça m'a permis de... Il y a un coffre. Tu vois, c'est un mimique le truc qui va me bouffer. Arbalète noire de crépus. Trop bien. Carreau torsadé noir. J'ai une nouvelle arbalète. Ça, c'est cool, ça. Ah, j'ai une nouvelle arme à distance. On va l'équiper tout de suite. J'avais un arc long. C'était cool. Fais voir l'arbalète, ce qu'elle fait. Ah bien, c'est un peu de la merde. Ah non. Attribut Ruki, 14 en force, 16 en dex. Force E, dextérité D. J'ai combien en force? 14 en force, 16 en dex. Ah si, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Fois 5. Putain, c'est moins puissant que l'arc. Putain, ça valait le coup de claquer une pierre lame là. Non, ça valait pas le coup en fait. C'était ironique, hein. Ça valait vraiment pas le coup, mais pas du tout. Donc très bien. On va aller se faire. Quoi. C'est peut-être puissant après, hein, peut-être qu'on l'aura augmenté. Souvent, il faut forger les armes pour qu'elles révèlent leur vrai potentiel. Notamment, je me rappelle des espadons, tout ça. Portée 47 en plus. Physique 68, 14 ans de dex, attribut requis, bonus d'attribut. Ça donne pas, en plus, ça donne pas de bonus d'attribut. Alors que ça, oui. Bon, on verra ça plus tard. En attendant, je vais pas l'utiliser. Et là, je suppose que j'en ai plus. Ah si, j'en ai une. Ah bah non, j'en ai plus. J'en avais deux. J'en ai claqué une. Voilà. Je suis ravi. Meilleure dépense ever. On s'en fout. Let's go. Let's gong. Ok. Donc là, on peut pas passer dans cette grande porte. Et on peut vraiment pas frapper. On peut vraiment, vraiment pas frapper. Attends, ranger le katana. Là... On peut pas y aller, c'est fermé.
Là, il y a la dame qui fait des free hugs. J'ai raté un truc ici. J'adore les le tableau et tout. Ça me fait penser à Izalith et l'arbre. Le boss de Dark Souls. J'aime beaucoup. Ok, on continue hein, notre visite. Là, c'est vraiment visite. Hein. Bonjour. Ça sent l'arène de boss quand même un peu, non? Vous trouvez pas? J'ai combien d'âmes, moi? J'ai 0 sur moi. Ah bah oui, je suis mort devant le premier boss. Ça veut dire qu'on peut descendre ici. 1, 2, 3! J'ai pas eu mal. Est-ce que c'était une bonne idée ce que j'ai fait? Non. Alberich, le railleur, a envahi votre monde. Oh, premier envahisseur. Je le sens très mal. Ok. Donc effectivement, en descendant ici. J'ai pas utilisé mon arc, j'aurais dû utiliser mon arc dès le début pour lui mettre quelques flèches. Ok, on revient ici, de toute façon j'avais... Ah mais ça veut dire que j'ai perdu toutes mes... Ouais, enfin j'en avais pas beaucoup, donc c'est bon. Donc, on a dit à droite, Free Hugs. Au milieu, Alberich. On va aller voir de ce côté-là vite fait. Pour voir ce qu'il y a. Hé, hey, bonjour. Non, on peut pas lui péter sa table. Que voulez-vous? Je n'ai guère le temps à vous consacrer. Novice. Comment ça, novice? Oh, vous trouvez cela juste? Et traité comme un homme de passage. Vous serez bien avisé de vous rappeler les premières paroles que vous adressa la grâce. Tenez-vous devant le cercle d'Elden et devenez Dame d'Elden. Si ces mots revêtent la moindre importance pour vous, laissez-vous guider par la grâce, cuirassez les porteurs de fragments et emparez-vous d'une rune majeure. Accomplissez cela et les portes de la chambre intérieure de la table ronde vous seront ouvertes. Alors... Et alors seulement vous recevrez la sagesse des deux doigts. Lorsque vous aurez assimilé la sagesse des deux doigts, je vous accueillerai comme il se doit. En tant que membre légitime de la table ronde, j'ai placé tous mes espoirs en vous. Les autres, je ne puis les supporter davantage. Tous ces anciens naïfs qui ne voient en ce lieu qu'un refuge pour s'abriter de la paix. Nous avons assez conversé. Les affaires requièrent mon attention. Nous avons assez conversé, et sa fière requiert mon attention. Nous avons assez conversé, et sa fière requiert mon attention. Vous connaissez Mercurochrome, le pansement des héros? Je lui pète toute sa bibliothèque, ça t'apprendra à me parler mal. C'est surtout que des fois on peut trouver des objets intéressants à cacher. Indiquez tous mes livres, j'ai tout rangé, ça fait 300 ans que je range mes trucs. Bah ouais, c'était rapide en même temps, je sais pas si j'ai le... Je pense avoir le niveau pour l'affronter. C'est juste que, comme je connaissais pas ses patterns... Stylé! Ils vont me frapper, tu vois. Carcasse des servantes jumelles. Acheté. Anneau d'adjuration bleue. Répond aux demandes d'invocation des chasseurs. Appelle un chasseur à l'air lors d'une invasion. Ok, très bien. À l'utilisation, la bénédiction d'une rune majeure équipée. Ok. Très bien. Arc runique. Ça doit être pas mal ça. Bon, j'ai pas de thunes évidemment. Hein. Il y a des armures, machin. Est-ce que c'est ça? Vous fait prendre l'apparence d'un allié. Ok.
prendre l'apparence de l'autre des doigts. Ok. Augmente les emplacements de mémoire, d'accord, ok. Ok. Ah, on peut acheter les fameux lampières là. Enfin, 4000 pour l'instant. Et wesh, je suis pauvre. Offrir une pelle ciné. Vous n'avez aucune perle cinéraire à offrir. Je suppose que ça permet d'augmenter le nombre d'assets et d'objets qu'il doit y avoir ici. On peut pas aller par là. On peut pas aller par là. On va retenter. On va retenter vu qu'on n'a rien à perdre. Hein. Ok, je me suis fait bien bolosser. Ok, très bien. Moralité, l'arc, c'est pas très efficace contre lui. Ça lui fait vraiment pas de dégâts. On va tenter, on va retenter parade, tourner autour. Et frappe dans le dos. S'incliner, geste de la main, saut de joie, doigt en avant, cri de ralliement, se reposer. Ça va être parfait. Regarde. Bien là, non? Parfait. Okay. Okay. Bon, le fait de sauter, ça peut faire n'importe quoi. Allez, let's go. On y retourne. Cette fois, je cours vers lui. J'y étais. Allez. Je sais pas pourquoi j'ai pas paré en fait. Allez, on retente. On retente. On retente. On retente. On est bien là. Ça se passe bien. Ça se passe bien. En vrai, ça va. Une fois que t'es dessus là, tu peux vraiment, vraiment l'éclater quoi. Je lui ai bien fait mal quand même. Hein. Sur la dernière attaque là. Ok. C'est faisable. C'est faisable. Ça se sent que c'est faisable. Let's go, samouraï. Ouais. Je suis un peu lourd. Je me sens un peu lourd. Attends, ouais, on s'équipera après. Pas réussi à faire la parade. Il fait sacrément mal hein. Il fait sacrément mal hein. Bon, en même temps je suis niveau 14 hein. Je pense qu'il est un peu plus élevé que moi, mais en vrai c'est faisable. Ok, j'ai fait un peu nimp. Vous savez ce qu'on va faire vu que je perds très très vite ma vie? On va se foutre à poil. Alors quand je dis se foutre à poil, évidemment c'est relatif. On va se déséquiper de ça. On va juste remettre les jambières. Encore un peu lourd. On va enlever le casque. Juste voir. On va voir ce que ça va donner.
Ah, j'aime bien, ça donne un petit style à mon personnage. Un, deux, trois, merde. Ouais, je suis beaucoup plus rapide. Oh putain, il se soigne! Bâtard! Allez, bim! Let's go! Allez, viens mon grand. Aussi, je me soigne. Allez, viens. Allez, viens. Allez, hop, 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 là. Qu'est-ce qui se passe, là? Viens. Allez, viens. Merde. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. J'étais pas mal, je m'attendais pas à ce qu'il se soigne. Ok, il est faisable. Bon, évidemment, on est dans Elden Ring, hein, c'est un From Software, donc on va tryhard. Ça y est, je commence à avoir le petit palpitant qui monte. C'est très très bien. C'est très très bien. Je giverai, un moment, je ferai du give up si jamais je... Donc on est beaucoup plus rapide, on a beaucoup plus d'endurance à la fin, donc on peut faire pas mal de roulades et d'esquives. En vrai, ça va être pas mal. 1, 2, 3, merde! Ok. Allez, concentrons-nous. Ce qu'il y a, c'est que je voulais l'attaquer, mais j'ai pas le bon timing au moment où il sort de son invoc. Il faut que je calcule le timing. Évidemment, c'est du try. On va faire ça en mode brain, hein, quand même. Let's go. La violence. Je me suis fait éclater. Deux coups de truc. Ouais, par contre, effectivement, je suis... Ah, attends. J'utilise pas trop le bouclier, en fait. J'ai pas tenté de le parer. Je pense que c'est possible de le parer. De toute façon, on va tenter plein de trucs. On va voir si c'est possible de le parer. Voilà! Merde! Merde, j'ai pas eu le temps de parer. Mon personnage est vachement lent pour parer, je trouve. Bon, c'est pas grave. Il est beaucoup très rapide avec la faux. Mais par contre, pour la parade, c'est pas ouf. Justement des coups rapides comme ça, c'est compliqué à parer. Et je pense que c'est faisable. Let's go OMG. Aïe, let's go. Allez. Je suis très content de tryhard, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'aime bien le petit swag de mon personnage. Ouais, désolé mec, on n'a pas le temps de saluer ici. Allez, viens. Oh le bâtard! Allez, viens. J'ai voulu faire une attaque puissante, mais en vrai les attaques puissantes elles sont pas bien. Je teste, hein, je teste des trucs évidemment. Hein.
qu'on va faire, c'est qu'après, on va prendre l'épée à deux. On va prendre le katana, on va le prendre à deux mains. Et on va lui tourner autour et on va le backstab le plus possible. En vrai, on va finir comme ça. Hein. Ah oui, mais là, je peux pas le prendre à deux mains. Ok. Là, je peux le prendre à deux mains. Chigatana, là. Hello! Cette portée qu'il a! Oh la vache! Il est violent, hein? Il est violent. J'ai le piétinement orageux, j'ai vu. Mais je sais pas ce que ça fait. Je sais pas comment le. Brandir la torche vous permet de voir plus loin dans l'obscurité. L1 avec une torche équipée en main gauche, brandir la torche. J'aurais bien aimé avoir une torche dès le début. C'est dommage qu'on en ait pas. Voir un peu dans les machins et tout. Ok. Try again. Try again, try again. Let's go. Allez. Moi, je l'ai déjà à deux mains. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer dans le dos direct pour lui faire un backstab. Il est en train de nous saluer, mais moi, je suis pas là pour planter des pattes, moi. Allez, viens. Ok. Ok. On n'a pas eu la voir tout à l'heure, hein, mais j'avoue que je me suis un peu laissé emporter par mon enthousiasme en me disant c'est bon, ça va le faire, on va l'éclater. J'espère que vous n'entendez pas les frottements dans le micro du câble. C'est insupportable pour moi, mais tant que c'est pas insupportable pour vous, ça va. Le backstab, ça lui fait rien. Hein. Ça lui fait vraiment que dalle. Hein. Par contre, le quatrième coup, ça a l'air de lui faire sacrément des dommages. Allez, viens. Putain, one shot. J'étais en train de nous protéger. Nous, on n'entend pas le câble qui frotte. Parfait. Okay. Ok. Ok. C'est vraiment le sel. Je suis en train de voir un peu comment faire. J'ai essayé de le parer. Je pense que c'est possible hein, de bien le parer. Mais le backstab, ça lui fait vraiment que dalle. Hein. Et à un moment, il a perdu énormément de vie, mais je sais pas comment. C'est le cinquième coup que j'ai donné qui a fait ça, j'ai l'impression. C'est très chelou. Et le lock, putain, le truc qui se déloque à chaque fois, c'est relou. Mais merde, j'ai voulu rouler. Si j'ai saignement, moi je pense que c'est le saignement. J'ai voulu rouler, je sais pas pourquoi j'ai pas frappé avant quand il arrivait sur moi. Faut vraiment que je l'enchaîne. Il faut pas qu'il ait le temps de. Je suis rapide en plus, donc faut pas qu'il ait le temps de truc de. Ouais, c'est le saignement. Je pense que c'est le saignement. Ouais. Je suis rapide en plus. Allez, let's go. On se concentre, on y va et ensuite on ira faire de l'exploration. Si je fais 2-3 trails encore et si on voit que c'est mort, on ira faire de l'explo.
Merde! J'en ai marre! Quand je vois qu'il esquive trop comme ça, faut que j'arrête de m'acharner. Et la rage monte. Quand tout va bien. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de rage. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. On try et on verra. En vrai, je devrais remettre mon armure, mais... Ah putain, le bouton mal placé de... du rampé. Il est plus rapide que moi avec sa faux. Il est beaucoup plus rapide que moi avec sa faux. Le bouton du rampage, par contre, ça le bouton de se mettre à genoux, c'est mal placé. C'est ultra mal placé. Parce que tu te mets à genoux sans faire exprès quand tu essayes de tourner autour et c'est relou. C'est relou. C'est dommage qu'il n'y ait pas un bouton à part. Genre, tu laisses appuyer sur saut pour. De mettre accroupi ou un truc comme ça, parce que là c'est un peu chiant de l'avoir sur le joystick, surtout quand tu commences un peu à t'acharner sur le truc. Alors c'est pas ça qui m'a fait buter hein. Avant c'est juste que et voilà. Voilà, je suis à genoux là! Je suis à genoux là! OMG! Impossible à dodge cette esquive. Impossible à dodge quand t'es proche de lui. Dans la joie et la bonne humeur. Et tout ça dans un bain de sang, ouais. Tout à fait. Bon. Concentrons-nous. Non, par contre, ouais, effectivement, le déplacement avec le... Ça clique tout de suite très rapidement sur le truc et des fois, tu t'acharnes un peu sur le stick et tu te mets à genoux et ça, c'est insupportable. Ça, c'est pas cool, ça, par contre. Ça... Alors, je sais pas, je pense que c'est à cause du stick de la manette de la PS4 parce qu'il est ultra sensible au niveau du clic. La con de toi, mais cours! Putain, bah oui. Allez, viens. Non. Allez, viens. Putain, bah oui. Allez, viens. Et viens. Ok. Oh, il m'a touché. Ah, il m'a touché en même temps. Je pensais que j'étais plus rapide. Je pensais que j'étais plus rapide. Tant pis. Ok, dernière fois. Dernière fois et ensuite on part. Dernière fois et je reviendrai quand je serai un tout petit peu plus puissant pour l'affronter. On va pas tourner en boucle non plus. Là, ça fait une heure. Ah oui, bon, j'ai fait d'autres trucs quand même. Non, je pense pas que ça fasse une heure. Donc, ça doit faire à peine un quart d'heure que j'y suis. Allez, dernier try. Et puis ensuite, on passe à autre chose.
Parce que sinon, voilà, sinon ça va être chiant. Pareil, hein, il faut. Dans les From Software, en général, si tu en chies un peu trop, soit t'as pas le niveau, soit c'est un peu compliqué, vaut mieux des fois prendre un peu de recul et revenir. Chier, il s'est guéri. Allez, viens. Merde, j'ai pas fait un bon truc. Merde, mauvais move. Je suis en train de glisser sur ma chaise là. Eh bien. Eh bien. Calme-toi! Ok, let's go. Allez, viens. Allez, viens, viens. Merde, te baisse pas. C'est dommage. Dommage. Dommage, dommage. J'y étais pas mal là. Là, c'était pas mal. J'ai tenu un peu plus le coup. Bon, allez, on évacue. On souffle. On fait descendre la pression. La pression est pas redescendue, hein. J'ai le palpitant à 3000 km/h. Ok. On n'a pas le choix de partir d'ici que d'utiliser les sites de grâce. Donc on a le tunnel de garde-froid ici. Garde-fort, pardon. Ok. Ok, très bien. Je vais attendre de revenir, de prendre quelques levels d'être en meilleur de lui faire plus de dégâts déjà. Peut-être aller récupérer des armes que. Dommage, mais bien joué. Ouais, j'ai bien tenu. Mais sur la fin, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il fasse cette attaque-là, en fait. Elle est partie super vite. Et je m'y attendais pas du tout.
Voilà. C'est comme ça qu'on se débarrasse de ces connards. Ah, par contre, on peut plus les attaquer quand ils se relèvent. Ok, très bien. Je vais faire un peu de... Ok, j'ai des jambières de soldats de Godric. Je vais faire un peu de farm, histoire de récupérer un peu quelques âmes. Histoire de monter peut-être d'un ou deux niveaux. Où j'affronte tout de suite le boss. On va voir. Je vais peut-être... C'est pareil, là, j'ai un boss à affronter qui m'a l'air, qui m'a l'air bien puissant. Mais on va voir. Du coup, j'ai pas fouillé par ici. Et donc maintenant, mon cheval est ici. Donc j'ai pas de risque de descendre de cheval quand je suis quand j'appuie sur carré quoi. Ah ou. Et viens voir papa. Et voilà, hop, c'est comme ça qu'on se débarrasse des gardes avec des boucliers, on tourne autour. Ah, j'ai un gros bouclier. Ok, bon, je pense que ça va être un peu trop lourd pour moi, mais on va quand même faire ça. Combien j'ai là? 312. Je vais pas monter beaucoup, hein. Je vais pas monter beaucoup, hein. Vous entendez bien, là? Le son derrière et tout, c'est bon? Ah, le lock! Ta mère! Bon, ça, c'est chiant, le lock. Voilà. Là, c'était juste. Hein. Pardon. Si j'ai crié, c'est juste que ça lock pas des fois. Le lock est un peu aux fraises parfois. Ok. Ok. Et je sais même pas pourquoi je me fais chier avec un bouclier parce que je pars rarement en vrai. Putain mais en fait l'épée à deux mains, en fait le katana à deux mains c'est pas puissant en vrai. Hein. C'est moins puissant que le... C'est aussi puissant que le à une main en fait. Du coup, on va se faire chier, on va le garder à une main. Enfin, j'ai l'impression. Hein. Attendez, on va tester. Deux mains. Backstab, on va voir combien on fait de dégâts. 243. C'est pas la même. Il avait. Il avait sûrement pas la même armure. Ah bah c'est parce qu'il s'y attendait pas sans doute. Ouais. En vrai ça va. Une petite potion là. Ah il y avait un truc ici. J'avais pas vu. Oh. Enfin, par contre, on n'y voit que chi. Hein. J'ai pas de torche en plus. Ce serait bien qu'ils filent des torches un peu vite dès le début quand même. Histoire qu'on puisse observer leur magnifique... Oh! Comme quoi, hein, la fouille. Masse de chair.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh, des chauves pourries! Ok, très bien. Ok. Ok, j'ai battu un groupe d'ennemis, j'ai obtenu une fiole. Parfait. En vrai, je devrais me mettre quand même comme ça. On sait jamais. Et des herbes. Ok, très bien. Ok. On entend bien. Nickel. Super. Bon, mais je suis content que vous entendiez bien. C'est pas de là où je viens. Ça n'a rien à voir. Oh, attends. Oh. Ah, d'accord, on passe sur la route d'en dessous. Non. Je veux pas que tu m'expliques le menu. J'ai raté un... Non, ça c'est moi. Ok. On observe un peu. Hein. J'y vais à pied. Juste pour le plaisir. Oh, il y a quelqu'un. Ah! Oh putain, ils ont vraiment récupéré tous les assets des... Ah non. Ah si. Oula. Je peux les lire. Vos doigts. Je vous prie. À vos doigts. Montrez vos mains. Oh, soyez bénis. Dirigez-vous vers la source d'or sans éclat. Traversez Raya Lucaria, le crépuscule des pierres d'éclat. Et assemblez les demi-lunes au grand ascenseur. Demi-lune! Certes, le pont s'étant effondré, nulle traversée n'est possible. Mais quelle importance! Le château de Voilourage se dresse toujours ferme. Là, je peux les lire. Je dois, je vous en prie, vos doigts, montrez vos mains, soyez bénis. La source d'or, la vraie nana, 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 nana. Nana, nana, nana. Très bien. Nanani, nanana. Ok. Le son est très propre. Ok. Okay. Donc là, il y a un pont qui s'est effondré. Ah putain. Manuel de guerrier nomade. 7. 7 manuels de guerrier nomade. Qu'est-ce donc? Inventaire. Étoffe, le répertoire d'artisanat. Ok. Faut pas l'utiliser comme ça. Je peux fabriquer des objets déjà. Ça c'est pareil, je devrais l'utiliser ça. On allait voir là-bas, ça m'intrigue. Est-ce qu'on pourra remonter après? Nul ne le sait. Ok. À mon avis, la chute est... Oula. La chute est terrible. Oh la vache. Mais c'est tellement bien. Ah, j'entends des cloches. Ah non, c'est ouais, c'est le c'est l'animal là qui permet de récupérer des PC. Oh là là, regardez-moi ça, des petits passages secrets comme ça, mais ça c'est ça, c'est le pied ça. C'est le pied.
aller voir par là quand même. Il y a des bichettes et tout. Je pense que ça permet de revenir. Ça permet de remonter. Pas. Déjà, il y a plein de matériaux. Plein de trucs. Le LD, quoi. Le LD, la DA, le LD, putain. Ou si ton gameplay, des fois, il est un peu foireux, ça fait tout. Bon, alors, par contre, à mon avis... Bon, alors, je pense que c'est parce qu'on est à voile orage, ou porte orage. Hein. Des trucs des fois c'est pas évident. N'oubliez pas de loquer. Désolé, ça vous a peut-être donné envie de vomir d'un coup. Okay. On va où là? On va où là? On va dans une autre zone? Je vais carrément dans une autre zone. Ah, c'est beau. Oula, faudrait peut-être que je me soigne. Je vais pas regarder ma santé. On peut tirer. Oui, j'avais pu tirer à l'arc. Contrer la custre. Je sais pas combien j'ai perdu dans le coin. J'ai pas regardé ma santé, évidemment. Évidemment. Évidemment, évidemment. Je fais un backtrack assez rapide pour aller récupérer mes souls. Enfin, mes runes, c'est ça, c'est des runes qu'on récupère. Des éclats de runes ou des choses. Pas l'utilité là. Je sais pas combien j'ai gagné, c'est sûrement peanuts par rapport à. Est-ce que je peux récupérer ailleurs, mais... Mais... Et le backstab, ça marche pas? Ok. Très bien. On va aller récupérer ça viteuf. Je sais pas combien j'ai gagné, hein. En vrai ça doit être que dalle. Hein. Mais on va mettre 2-3 golden au passage. Voilà. C'était bien par là. Si je ne m'abuse. Fait. Par contre, je n'ai aucune idée de comment revenir. Hein. Évidemment. Vous doutez bien.
très cool. On va aller récupérer ça. Ah, puis par contre, les animaux qui te bloquent sur le chemin, un peu abusé quand même. Alors, je vais juste continuer un peu et je vais voir s'il n'y a pas un feu. Un feu. Faut que j'arrête de dire un feu, c'est pas un feu. C'est un site de grâce. Regardez-moi ça. Ah, la tempête s'est arrêtée. Regardez-moi ça. On est sur PS4 Pro. Hein. Ça va. Franchement, ça va. Hein. Ça va. Effectivement, le jeu n'est pas aussi magnifique qu'il pourrait l'être sur PC. Mais ça va. Ah, il y a un site de grâce, parfait. Grâce évanouie découverte. Et lui, il va par là-bas. Okay, très bien. On va monter de niveau. J'ai dit que je voulais monter la foi aussi. Ou c'est l'ésotérisme. Non, c'est la foi pour avoir les boules de feu. Parce que vrai, en vrai, avoir un sort, c'est quand même pas mal. Hein. Si je peux avoir les boules de feu, la grande boule de feu, là. Donc du coup, la foi, ça me permet aussi d'être un peu plus résistant. Et la force, ça me permet de taper plus fort. C'est quoi? Hop, je vais prendre la foi. J'ai envie de visiter cette contrée, du coup. Est-ce que je me tente quand même Margit? Comme ça. Tu sais que la dernière fois, j'en ai chié. C'était pas évident. Allez, on va visiter. On est là pour explorer de toute façon. Ouh, il y a un cimetière. Ça ne me dit rien qui va... Ah, là, il y a un trou. Bon, là, mais c'est tellement beau. Là, on est dans une zone qu'on connaît pas. Bonjour. Mais regarde-moi ça, mais regardez-moi ça, comment c'est beau, ça donne envie. Merde. Je fais n'importe quoi avec... je psychote avec mes touches, là. Ah. Salut. Vous êtes sans éclat, n'est-ce pas? Dans ce cas, peut-être auriez-vous quelques runes à dépenser? Croyez-le ou non, mais j'étudiais la sorcellerie des pierres d'éclat à l'académie de Raya Lucaria. Pour une modeste donation, je partagerai volontiers mon savoir avec vous. Oh, merci infiniment. Vous êtes vraiment une sainte. Je m'appelle Tops. Comme promis, je peux vous enseigner des sorts, si cela vous intéresse. Sauf que...
Aucune d'entre elles n'est proprement impressionnante. What? Mais non, mais c'est trop bien, mec. Arc de pierre d'éclat. Ah, mais c'est bien, ça. Oui, c'est la foi, et pour le contrepoison aussi, je crois. Ah ouais, ok. Et ça, c'est du coup, c'est la sorcellerie, c'est pas... c'est... Là, c'est l'intelligence. Pour la sorcellerie, c'est l'intelligence. Pour les miracles, c'est la foi. Donc ça, c'était les boules de feu, c'était des miracles. Parce que là, c'est la sorcellerie. Donc c'est tout tes rapports avec l'intelligence. Ah, je suis un peu blasé, hein. Un peu blasé parce que j'aurais su, j'aurais pas mis en foi, mais j'aurais full monté intelligence pour la sorcellerie. Quoique, allez, vas-y, on va faire de la foi. Je regrette, mon ami. Je crains que mes prières, mes piètres sorcelleries ne soient pas à la hauteur de votre générosité. Tenez, j'ai une idée. Je peux vous raconter tout ce que je sais sur cet endroit. Voilà qui pourrait vous servir. Vous voyez ces bâtiments en or qui se dressent au-dessus de l'eau? Il s'agit de l'académie de Raya Lucaria. On étudie la sorcellerie des pierres d'éclat. Or, cela fait un bon moment que ces portes sont closes. Après avoir déclaré qu'elles n'interféreraient pas lors de l'éclatement, l'académie a placé des sceaux de répulsion sur les portes est et sud, qui mettent respectivement à la capitale et ici même. Comme vous l'aurez peut-être deviné, les sceaux sont toujours actifs, interdisant tout accès à l'académie pour qui ne dispose pas d'une clé de pierre. Ainsi, me voilà coincé ici. Tant que sorcier néophyte, mes chances d'acquérir une clé sont bien maigres. Quand ils sont placés les sceaux, je venais de sortir, par conséquent, le lieu de mes études m'est inaccessible. Non, c'est clé de pierre d'éclat. Mais c'était les trucs avec les gargouilles. Pourquoi ne pas vous procurer une clé de pierre d'éclat? Sans cela, vous ne pourrez pas traverser à l'académie. Et vous n'atteindrez jamais la capitale de l'arbre monde. Et si d'aventure vous trouviez une clé supplémentaire, peut-être que... Quand vous aurez terminé tout ce que vous avez à faire et qu'importe le temps que cela vous prendra, vous consentiriez à m'en faire don? Je sais bien que je suis un morne pierre et que je n'ai pas le moindre talent pour la sorcellerie. Mais malgré tout, ma place est à l'académie. Trouvez-vous une clé de pierre d'éclat. Sans cela, vous ne pourrez pas traverser l'académie. Si vous n'atteindrez jamais et vous n'atteindrez jamais la capitale de l'arbre monde. Ok. Ok. Donc une clé de pierre d'éclat, c'est bien ce que j'ai dépensé comme un gros boulet au début et que j'ai plus. Je crois, hein. Non, c'est dans... Attends. De toute façon, je vais le savoir dans le statut. Endurance, rune possédée, 307, rune nécessaire, 1659, découverte, de mémoire, charge équipée, arme gauche, physique. Perçant... Changer d'affichage. Clé, lame de pierre, non. Ça n'a rien à voir. Ok. Non, ça n'avait rien à voir, en fait. Oh la vache! C'est beau! Ok, très bien. Très bien, très bien. Donc la foi. Donc la foi guide mes pas. Ok, il y a des squelettes qui sortent, mais... Ah, il y a un truc au fond. Parchemin de l'académie. J'ai récupéré un truc. Je l'ai volé. Oui, ça a pas l'air d'être de ton niveau.
Y a pas un truc qui vient de me... Ah non. Ils me suivent? J'ai récupéré un... J'ai volé un parchemin. Le mec, il est trop fier, il a volé des trucs dans le cimetière. C'était quoi d'ailleurs? Ah, c'est ça les bénédictions. Consomme des PC pour améliorer temporairement l'équilibre. Ah, je peux l'utiliser. Ça, c'est quoi? L'arme de vie. Améliore la puissance de la fiole sacrée. Ajoute une utilisation à la fiole sacrée. Oh, bah très bien. Est-ce qu'il faut que j'aille sur un site? Ah, bah voilà, bah j'ai trouvé un truc. Un truc pour améliorer. Et attendez, j'ai pas vu. Bouge pas. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que j'ai trouvé sur le... Ah, ça. À donner un sorcier expérimenté pour obtenir de nouvelles sorcelleries. Ok. Ah. Ah non. Cool. Améliorer. Je peux améliorer. Améliorer. Utiliser une arme de vie pour augmenter la quantité de PV, PC. Oui. Très bien. Réparte. Améliorer les fioles. Utiliser une arme de vie pour augmenter la quantité. Vous n'avez pas de l'arme de vie. Ajouter une dose de fiole. Oui. Répartir les doses de fiole. 4-1. Parfait. Montée de niveau. Je peux pas, j'ai pas assez. Très bien. Je suis un peu plus blindé là. Donc ça veut dire que je peux... Déjà j'ai une fiole de plus. C'est pas mal ça. Attends, on va voir si lui, il peut améliorer les parchemins, du coup, vu que j'ai volé ça comme un malandrin. Viens voir. Viens voir. Elden Ring, c'est le... Ah, c'est stylé avec le katana et tout. Faudrait un meilleur bouclier. Mais j'en ai un de meilleur bouclier. Il faut 16 en force pour le porter. Un peu beaucoup. Hein. Puissance de garde bien augmentée quand même. Wesh gros. J'ai un parchemin. Non, bah, de toute façon, je peux pas l'utiliser. Très bien. On verra ça plus tard, la sorcellerie. J'ai pas encore assez de... J'ai pas encore assez farmé pour ça. Va aller. Très bien. Alors, on va faire... Tac. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. C'était stack. Le tunnel de garde-foi. Cabane de valourage. Garde-fort. On va tenter. Il est quoi, 18h30? Il est 18h30. On va tenter. Vu que je peux invoquer un sorcier juste à côté de moi. Notre ami, j'ai oublié son nom. Je crois qu'il s'appelle... Il a un nom un peu spécial. On y voit... Moi, je vois vraiment que dalle. Hein. Vous y voyez bien, mais... Ah oui, c'est Roger. C'est Roger. À mon avis... Le une main ne sert à rien. Du coup, je vais passer à deux mains. Et
J'ai quoi dans mon équipement? J'ai juste ça, ça, ça. J'ai déséquipé l'arc. J'ai juste gardé le bouclier. Ce sera peut-être plus rapide. Je lui fais des dégâts. Je lui fais des dégâts. Je me suis un peu précipité. Je dois avouer. Mais je lui fais des dégâts. Donc déjà, ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut tenter de l'affronter. J'ai quoi? J'ai une demi-heure devant moi. On va tenter de l'affronter. On invoque Roger. Et on va fracasser Marguerite. Comme ça, on est bien. Marguerite, hein, je vais boire un peu d'eau. Je suis dehydrated. Ok. Très bien. J'avoue pas avoir mis... Est-ce que j'en mets... dessus. Donc Roger arrive. Hein. Allez Roger, on affronte Marguerite. Sacré allonge, ouais. Il a une sacrée allonge, effectivement, ouais. On a Roger. On traverse le brouillard. Je vais utiliser la graisse magique. Ouais. Il a une sacrée allonge, mais... Il s'est retourné sur moi comme un gros bâtard. Allez, viens. Allez, Marguerite. Non. Dernière. Ah merde, Roger est mort. J'ai plus de graisse. Je pense que j'ai un peu trop. Il est vraiment, vraiment balèze. Hein. Son pattern est très, très. Très, très erratique. Il est quand même passé les temps de midlife. Je pense qu'il est faisable. Ça sert à rien que j'ai mon armure parce qu'en fait, même mon armure ne me protège pas tant que ça au final. Donc je préfère avoir beaucoup de légèreté, beaucoup de mobilité. Et peut-être que je devrais aller chercher une nouvelle arme. Je sais où il y en a une. Peut-être que je devrais aller chercher une nouvelle âme. J'aime bien mon katana, mais effectivement, les dégâts sont un peu limités. Veuillez m'excuser. Oh la vache. Allez, Roger. On y va. Je vais essayer de faire en sorte que tu te fasses pas trop buter, Roro. Allez, viens.
Ok, go piole. Oh purée. Lock. Ok, deuxième phase. Aïe! Je l'ai pas vu arriver. Allez! Backstab! Putain, ça lui a rien fait, quoi. Oh, par contre, le unlock comme ça, c'est infernal. Infernal! Putain, Roro, il s'est fait buter! Allez, allez, allez. Allez, on le regarde de loin. Il va nous tirer des couteaux. Allez, viens. Allez, hop. Allez, viens. Allez, fais ton saut, là. Go, 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 go. Allez, Marguerite. Oh là là. Oh, le coup à tête chercheuse. Non, 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 non. Ça aurait été bien que mon invoque, que Roger soit pas... soit pas mort. Mais il a défouraillé, quoi. Le pauvre Roger, quoi. Il s'est fait éclater. Il s'appelle pas Roger, vraiment, mais... Et... voilà, quoi. Hop, ben, let's go, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher cette nouvelle arme, cette fameuse arme. Voilà, hop, on va faire ça. La fameuse arme se trouve... ici. Oui, je me suis fait spoil cette arme. Allons-y. Tranquillement. Mais... sûr. Ah, j'ai les gantelets. Un espadon. Que j'ai oublié ici. Je crois que c'est vraiment le seul spoil que j'ai eu. Hein. Je crois qu'il y a un autre objectif. A voulu me tourner autour. T'es mort. Tu vis, toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu vis, et... c'est bien. Ok, très bien. En fait, il est trop bien le katana pour les petits ennemis parce que c'est rapide. Donc pour les gros ennemis, il fait pas assez de dégâts, quoi. Et donc là, dedans, il y a un fléau. Parfait. Hop. Alors, voyons ce qu'on peut s'équiper. Espadon scénorial. Un objet inefficace avec les... sauf si vous le maniez à deux mains. Voilà. Donc, je ne peux pas... à une main, c'est inefficace. Par contre, je peux à deux mains et...
Allez, voilà, on retrouve le bon vieux le bon vieil espadon quoi. Est-ce qu'on n'irait pas améliorer j'aimerais bien améliorer mon katana aussi. Je sais pas si j'ai assez pour améliorer mon katana. Hop. Donc l'église, dans l'église, il y avait la forge, on va voir. Et puis ensuite, on va refaire un try sur, sur Margaret, Marguerite. Et si on voit que Marguerite, on n'arrive pas à le bouffer, on ira retourner voir l'invocateur, là, celui qui l'invocation, là, rouge, au bastion. Renforcer une arme. À l'aide du menu forge, vous pouvez déplacer les runes, dépenser des runes et des pierres de forge pour renforcer vos armes. Vous pouvez de cette manière améliorer vos armes jusqu'à plus 3. Un forgeron capable de... Ah bah oui, mais j'ai pas de thunes. Évidemment, je peux pas l'améliorer. Retournons voir Marguerite. Retournons voir Marguerite. Voyons ce que nous pouvons faire de lui. J'ai des jambières. Les jambières, peut-être qu'elles vont me protéger un petit peu mieux. Je vais voir ça. Hop. Parce que là, j'ai ça. Je suis un peu plus lourd, mais je suis un peu mieux protégé quand même. Voilà. Et là. Je suis un peu plus lourd, mais je suis un peu mieux protégé. Voilà. Bon, du coup, elle ressemble plus du tout à une samouraï. Mais... ça va, j'ai pas l'air lent. Je déséquipe le bouclier. Pour être un peu plus rapide. Et là, on le prend à deux mains. On teste. On teste. Je ressens plus trop à un samouraï. Hein. Ok, Roger. On y va! Allez, let's go! N'oublions pas les esquives. Allez, on fait un peu plus mal quand même déjà. Charge-toi. Ok. Merde, il a été stun. Aïe. Bois. Oh putain, Roger, il va crever. Non. Ok, très bien. On se soigne. Tout va bien. Allez, vas-y, viens ici, Marguerite. Le problème, c'est que Roger lui a accaparé son... son temps. Let's go. Ok, Marguerite, il est vénère. Il est vénère, Marguerite. Le truc, c'est que j'arrive à l'amener à la deuxième phase assez facilement, mais comme, comme il s'acharne... En fait, il faut pas que je le laisse s'acharner sur Roger. En fait, il faut qu'il se, il me focus moi. Comme ça, Roger, il peut continuer à lui péter le nez. On fait une deuxième fois. Si je vois que j'y arrive pas... Pas commode, ouais.
Pas commode. Apparemment, il est créé. Enfin, il y a eu pas mal de retours sur le fait qu'il soit assez dur quand même. Donc, je lui pète le nez une deuxième fois. Si je vois que j'y arrive pas, je retourne voir au bastion de la table ronde. Au bastion de la table ronde, l'autre. L'invocation là, rouge. Quelqu'un qui a envahi mon monde, l'envahisseur. J'ai oublié son nom. C'est le railleur de. C'est machin, le railleur. Jean-Michel le railleur. Ok. Allez, let's go. Allez, Roger. Allez, Roger, on est bien là. Laisse-moi te frapper. Allez, viens. Purée. Allez, viens. Par contre, chacun de ses coups, ça fait ça quand même. Non. Il est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop compliqué pour l'instant. Je vais attendre de monter un peu de niveau. Je vais retourner voir au bastion. Vite fait, je vais faire un try sur l'envahisseur, voir si je peux l'éclater assez rapidement avec l'espadon. Et si c'est pas le cas, j'irai faire du pexing, j'irai visiter un peu. Je retournerai un peu dans la zone de départ et regarder un peu aux alentours s'il n'y a pas des grottes cachées, des trucs et tout. Pour voir quoi. Vaut mieux pas, voilà, on sait qu'on ne peut pas avancer un truc, vaut mieux aller pexer un peu, récupérer un peu d'XP, monter quelques trucs et tout. Et voilà. Hop. Alors. Ok. Table de grâce. Je retourne ici, on va voir. Ouais, bon petit programme. De toute façon, il reste quoi, 10 minutes avant la fin du live. Je fais que 2 heures. Je vais faire 2 heures par jour. C'est très très bien, je pense. Allez. Allez, allez. On va voir notre ami. On est un peu mieux équipé, on va dire, en armure. Même si on est un peu plus lourd. Mais en vrai, ça va. J'ai combien, moi? Non, j'ai rien. Pas grave. C'est pas grave. Si je perds, je perds quasi... quasi rien... Ah ben voilà, ça cause là les dommages. Il va se soigner, évidemment. Eh oui. Allez, deuxième fois. Je tente une deuxième fois. Tu dis, il y en a plein, quelques-unes au début, grottes et catacombes. Ok, bah très bien, parfait. On va aller faire ça. Comme ça, on va les pexer un peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais retenter une dernière fois. Je le retente une dernière fois parce qu'en vrai, je l'ai amené mid-life. Si je le laisse pas faire, je pense que je peux lui casser un peu la bouche. On va retenter une dernière fois. Deuxième fois. Enfin, dernière là. Aujourd'hui. Et ensuite, on ira pexer un peu. On va faire ça bien.
C'est là où il faut le frapper. C'est là. 1, 2, 3, 4. Et merde. Allez. Utilise ta technique. Ah merde, il est passé celui-là. Putain. Il est bien. Il est bien. Il est bien. Putain merde, j'ai l'état de congélation. Non, non! Recule, recule, recule! Voilà. Allez, allez, go! Oh non! Oh non, 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 non! C'est pas juste! C'est pas juste! C'est pas juste! Là, c'est pas juste! Je l'avais tapé avant! Il y a eu un coup simultané! Ça m'a stun, du coup. Allez, on recommence. Allez, une troisième. Allez, dernière. Dernière et après j'arrête. De toute façon, c'est la fin du live, donc ça servira à rien que j'aille pexer. Allez. Last but not the least. Et ensuite, le live prochain, c'est-à-dire demain. La même heure à peu près. On ira prendre de level si j'arrive pas à le battre. Allez. Ça commence mal déjà. Ça commence pas très bien. Non! Ok. Oh putain! Il m'en reste plus qu'une. Allez, viens. Oh non! Putain, je pensais que je l'avais évité. Allez. Ok. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. On sait que il nous faut quelques niveaux de plus pour frapper un peu plus fort, histoire de bien le gérer. En vrai, il est gérable. Je pense qu'il est gérable. J'y étais tout à l'heure. Si j'ai fait, bien évidemment, j'ai fait pas mal d'erreurs. Mais voilà. J'ai fait pas mal d'erreurs, mais je pense qu'il est gérable. Quitter la partie, sauvegarder et retourner à l'écran de titre. Bien sûr que oui! Et voilà!